Bonjour à tous, on se retrouve pour cette 12e partie de Pokémon Cops. Au programme du jour, nous allons visiter la planque de la Team Aqua pour commencer. On a appris par le gars de la Devonco, je crois, ou le manoir, bref, je sais plus, qu'il y avait la Team Aqua qui avait une planque dans les fonds marins de la route 127, je crois. Donc, planque que c'est cette route-là. Et ah voilà, Max Repousse, je cherchais. Et puis après, à Thalanopolis pour Wally. Je crois que c'est plutôt Wally, Timmy, qui se trouve là-bas. Donc, la route 127, ou la route... Ouais, 127, c'est ça, c'est celle-ci. Je crois que c'est cet abysse-là, enfin, ce fond marin-là qu'il faut prendre. En plus, il n'y a pas d'herbe, ça, c'est pas mal. Et on avait une petite entrée dans ce genre-là, même croisement. Voilà, sauf que c'est ouvert. Ok, c'est donc ici. J'aime bien la couleur, j'ai toujours aimé, ça m'a toujours fait rire la pose qu'il avait. Et on arrive dans cette caverne, qui a pas dû être trop modifiée. Et est-ce qu'on croise des gars d'Team Aqua? Effectivement. À Team Aqua, on y est pour surtout retrouver Arthur. A priori, on veut le tuer aussi, comme on a tué Max. Alors, je me faisais une réflexion, je ne sais plus si je l'ai fait à l'épisode précédent, mais quand on était contre le gars de la Devonco... Mince! Ah oui, j'ai oublié de les soigner, mes Pokémon. Quel imbécile! Ah ouais, en plus j'en ai un... Mais non, mais en plus je mets North Face, n'importe quoi. N'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Bon, c'est pas très grave. Je vais vite me débarrasser de ceux-là. Et après on va les soigner. Je me suis un peu précipité, peut-être. Allez, on a un repos, enfin, on a un rappel, de toute façon. Ok, et j'ai un super bonbon si je n'ai... Combien? J'en ai 5, oh, on va utiliser super bon. Tiens. Et tiens. Et on a des trucs pour se soigner. Voilà, lui, bon, ça sera suffisant. Et pour l'instant, ça sera... Bon, lui, on va lui en mettre un deuxième quand même, ça sera suffisant. Quoique, si j'ai une petite energy powder, je vais lui mettre à Keshua. Mais non, je lui ai mis un PV. Oh, purée. Bref, voilà, c'est bon, on est fin prêt à combattre maintenant. On va mettre Nike devant. Et on est parti. Ce sous-marin, c'est petit à l'intérieur. Ah non, c'est serré. Je suis tout transpirant. Ok. Merci de l'info. Continuons. Ouais, du coup, Max. On devait. Enfin, Max. Le gars de la Devonco, on devait pas le tuer parce que la Team Magma était affiliée avec je sais pas quoi. Donc, il fallait pas trop être méchant avec la Team Magma. Pourtant, l'épisode d'avant, on avait quand même tué Max. C'est un peu contradictoire, hein. Je sais pas si je me trompe, mais moi ça me paraît un peu contradictoire. Peu importe. On va faire comme ça. Bon, non, ça sert à rien de le pousser en haut. Enfin, de le pousser en haut. Pousser vers le nord. Oh là, des métamorphes. Pour savoir, on a mis l'exprim qui est assez rapide. Alors, le chemin, par contre, je ne me rappelle pas que c'était fait comme ça, cette zone. On va aller tout de suite sur cette entrée-là. Ah, d'accord. Ah oui. Du coup, ça nous amène ici. On va... Bon, ça, je peux le mettre tout en haut, ça fait rien. Et on peut passer par là. Ok. On va donc se mettre là, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Là, ça revient en même. Si on passe par là. Et là, on peut aller ici. Ok. Désolé, je... Quoi? Je me suis fait pigeonner. J'étais trop fier de moi. Ok, il fallait aller en haut à gauche. Je sais pas, moi j'ai vu une grotte et je m'en rappelais plus. Mais je crois que ça le faisait déjà dans le jeu de base. C'est possible. Bon, c'est pas très très grave. Ah, mais attends, mais on peut. Faut peut-être. Non. C'est pas ce rocher là qu'il faut bouger. On va faire pour libérer l'entrée. Voilà, on fait comme ça. Et là, je pense qu'on est bon. Là, on peut pas monter tout de suite en haut parce que. Bah voilà. Mince! Non, par contre, ce qu'on peut faire, c'est passer ici. Là. Comme ça. Voilà, parce que si je prenais trop tôt, je retourne en bas. Ensuite. Ici, ça fait quoi? Ah, j'ai pris le bon chemin. Ok, là, je pense qu'on est pas mal. Ok, on a tout ce truc, tout ce mini puzzle avec les rochers, alors ça me dérange pas trop.
Alors, de toute façon, il faut qu'on s'entraîne. On n'est pas forcément à la hauteur au niveau des niveaux. Un double combat, tiens, on va mettre Adidas et Nike. Et on est parti. Ah ah ah, comment est-ce que tu as réussi à arriver jusqu'ici sans sous-marin? Qu'est-ce que c'est impressionnant. Mais ça n'a pas d'importance puisque tu vas mourir. Et aussi, je vais prendre ma vengeance pour ce que tu as fait à Shelly à Slateport. Je vais te donner un petit goût de mort. Pour notre rêve, pour que notre rêve devienne réalité, nous avons besoin de la puissance des Pokémon. Mais vous, la police, utilisez la puissance des Pokémon pour nous mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas que cet argent est plus important que la justice? Ouais, non mais sacré raisonnement. Mais non mais même pas de raisonnement, il l'a juste balancé, c'est plus important que la justice. Et lui on va déjà se débarrasser d'un, ok très bien. Je pensais que ça allait peut-être pas mettre KO vu qu'on a pris... Allez, on a l'attaque qui a bien baissé au moins. Bon il a la défense qui a... Allez, on attaque le même, comme ça il y en a un qu'on va plus voir du combat. Alors on aura qu'un seul Pokémon en face, ce que je veux dire. Ok, et là on n'est pas trop mal normalement. Scary Face, bon c'est pas grave, on est lent déjà. Ok, et Golbat pour terminer, ça devrait le faire. Voilà, niveau 39 directement fait. On est bien. Ouch, bois. J'aurais dit pareil, effectivement. Energy Powder. Et on continue. Là on a l'air d'être pas mal avancé. Ah, le classique. Le classique. Alors normalement, faut que je fasse pas de bêtises. Fais ça, fais ça. On fait ça ensuite, on fait ça, on fait ça. En fait, il faut faire le même schéma un peu trois fois de suite, quoi. C'est un peu l'idée. Oh, on s'approche pas de la zone où il y avait Kyogre, ou je sais plus quel Pokémon légendaire. Groudon, Kyogre. Oh, bonjour. Damn, ce Wally est arrivé ici en premier. Bon sang, j'allais vendre Kyogre sur le marché noir pour des millions. Désolé, mais je n'ai pas le temps du temps à perdre avec la police. J'ai récemment promu un de mes sbires à rang d'admin. Il s'occupera de toi. Hey, je suis Toby. J'ai eu une promotion. Je suis trop content. Je veux prouver ma valeur. Et il n'y a pas de meilleure opportunité que de le faire contre un policier. Toby. Alors moi, Toby, ça me fait penser tout de suite à Naruto. Si vous connaissez Toby. C'est, ouais, il a quelques sortes des promotions, pour des choses comme ça. Non mais jamais, ils peuvent jamais attaquer. Ah bah voilà, il peut attaquer, bien sûr. Il va me contredire, bien sûr. Ça c'est bien, hein, bravo. Ok, petit vol. Et il a raté. Petit cliff. Ok, bien joué, Top Life. Joué. Azumarill. Eh bien écoute, tu vas le tenter. Hein, Top Life. Tu vas grandir un petit peu. Tu vas le tenter. Ok, on balance les Magical Leaf. Alors mettre des super potions alors que t'es encore dans le vert, ça me paraît un peu prématuré. Et Magical Leaf, et on est bon je crois. Bien, Top Life, il enchaîne. Golbat, bon là par contre tu vas pas enchaîner. North Face. Alors il aurait mieux fallu pour lui qu'ils envoie Arthur. Parce que là, c'est une sacrée déroute hein, pour le nouvellement promu admin, c'est compliqué. Quoi? J'ai perdu contre un fichu policier? Quoi? Ça craint bien. Je vais partir. Officier Saumon. Ah, c'est Kendo et Alexa. Il n'y a plus le temps de rester ici. Même la team Aqua est déjà partie. Et nous avons quelques problèmes qui pressent. Allez, il faut s'en occuper. Je suis inquiet à propos de Wally et de la team Aqua. Allez, sortons d'ici. Je ne fais pas confiance à cet endroit. Ok. Ah, bon sang. Wally est hors de contrôle et je ne sais pas ce qui se passe. Bon sang. Calme-toi, Kendo. Nous allons découvrir ce qui se passe. Il y a quelque chose avec la team Aqua, la team Magma et la Demon Co. Et bien sûr, Wally. J'ai un plan. Qu'est-ce que c'est ton plan? Saumon, c'est à toi de jouer. Tu es la seule personne qui a déjà réussi à stopper Wally. Tant qu'il a le contrôle de Kyogre et de Groudon, la tempête, enfin la météo, deviendra de plus en plus instable. Atalanopolis sera détruit et Wally deviendra encore plus puissant. Nous avons besoin que tu ailles à Southopolis et que tu stoppes Wally avant qu'il soit trop tard. Moi et Kendo, nous devons nous occuper d'un problème encore plus sérieux. Ça a l'air fou, mais il y a quelque chose de plus gros qui se passe. Quelque chose de plus gros qui se passe. Oh, Steven, Saumon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est horrible. Si ça continue comme ça, on va avoir une catastrophe sur les bras. J'ai déjà reçu une information comme quoi Groudon et Kyogre ont commencé à tuer des civils à Atalanopolis. Ah, super, merci Kyogre et Groudon. Ah, ce fichu Wally. Mais qu'est-ce qu'il pense? À quoi il pense? Comme Alexa l'a dit, on te laisse t'occuper de ça. Je te fais confiance, Saumon. Saumon, à l'intérieur de Atalanopolis, il y a la cave origine. Cette cave pourrait être la clé. Faut passer par là pour aller à Talonopolis, je me rappelle plus. Bon, apparemment non. Je me rappelle plus ce que c'est cette zone. Non, je crois que c'est juste ça.
Bon, on va remonter, du coup, il n'y a rien. Mais je sais plus où exactement est l'entrée, en plus, j'ai pas la carte. C'est peut-être ces trucs-là, non? À moins que... Ah, lui, il me fait un peu peur, j'ai pas envie de lui... On va l'éviter, on va rentrer ici tout de suite. Underwater. Ok, mais c'est... C'est l'underwater pour la Seafloor Caverne. Ok. C'était juste pour être sûr. On va sortir d'ici. Oh, il a failli nous voir. Ok, il nous a pas vu. Et il faut qu'on rejoigne. Ah, c'est un peu plus à l'ouest, je crois. On ne peut plus très bien. Oh, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Et. Ah, il m'a vu. Je suis au milieu d'un triathlon. Mais bien sûr, pourquoi on ferait pas un combat? Ok, elles ont de la chance, hein. Ils sont bien dans l'eau, même si on a Zénith, du coup c'était à pluie il y a 2 secondes, mais c'est devenu Zénith. Alors je sais pas si ça va s'alterner, ou si ça va être tout le temps sur telle route, ça va être tout le temps le Zénith. Bon, peu importe, on a des civils à sauver, parce que là, Team Aqua, hein, les nullos, on en a fini, il faut s'occuper des choses sérieuses. Et je suis pas en direction de Pacifiville, juste, je faisais réflexion, j'ai l'impression quand même, j'ai vraiment l'impression... Quoi? J'étais où il y a 2 secondes? Je n'ai pas vu. Ah, puis j'ai pas de carte, quoi. Ah, mais si, saumon. Ah non, mais c'est dans Pokénav, normalement, on avait la carte. Mais... Comment? Il n'y avait pas assez de dresseurs, avant? J'ai rien compris. Je sais pas comment je suis arrivé ici. Ah, mais là, c'est pas le chemin pour le pilier céleste, par là. Ah, elle nous a vu. Non, c'est pas grave. On laisse Nike devant, ça lui permet de s'entraîner un petit peu. C'est juste qu'il va commencer à manquer de PB, donc ça pourrait être bien de vite en finir. Voilà, merci. Sfil, bon, on va laisser. Ah, mais c'est le petit. Ah oui, Sfil et le... Je sais plus le comment elle s'appelle son évolution en anglais, j'ai oublié. Non, on va pas passer par là. Voilà, on évite. Mais il n'y a plus rien pour... Il n'y a plus rien pour... plonger. Je pense qu'on va arriver, voilà, à Pacifiville. Écoutez, c'est pas trop un problème, on va se soigner. On va pas s'attarder tout de suite à Pacifiville. Hein. Maintenant qu'on a été dans le centre Pokémon, on pourra faire vol là-bas. On ira visiter ça un autre moment. Mais là... Ah là 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 là. Je l'avais pas vu. Enfin si, je l'ai vu, mais je sais pas. Je pensais l'éviter. Finalement, pas du tout. C'est pas très grave. Ah, il est paralysé. Très bien. Et maintenant, ouais, c'est ça. Dès qu'on change de route, on a une météo différente. Mais c'est bien, c'est l'idée qu'il y a les deux qui se côtoient. Sinon, ils peuvent pas programmer, je pense. Oh, mais ils se suivent. Trop bizarre. Ils peuvent pas programmer. Oula. Pour que toutes les 30 secondes, tout ça, ça s'alterne. Alors. Bon, lui, on l'a combattu. Ok, on repousse. J'ai pas mal d'argent, j'ai réalisé tout à l'heure. Quand j'ai acheté les potions, j'ai plus de 100 000, donc ça reste pas mal. Mais lui, on peut pas. Ah, mais je suis venu par là. Je suis venu par là. Là était l'astuce. Mince. Bon, c'est mon premier triathlon. Ah, lui, ça va être vite fait. Ça nous permet de l'entraîner un petit peu. Hein. Starmie. Contre les boss de la Team Aqua. Excusez-moi, une petite coupure. Du coup, on était où, hein? Toujours sur les Pokémon sauvages. Ok, gros rapid spin. Gros tour rapide. Bon, la rentrée d'Athanopolis à part ça. Non, faut passer par la droite et redescendre. Bah, attends, on est vite. Est-ce que c'est plus... Ah, elle nous a vu de loin, c'est pas possible. Comment elle a fait? Ok, on a qu'un seul. Bon, on fait étincelle à fond. Ok, on sonnera un petit peu après. Niveau 37, bravo, hein, bravo à toi, Alex Sprint. Alors, ouais, il faut les éviter. Ok. Mais non, mais j'arrive à la ligue, là. Mais attendez, mais... Je suis un incompétent quand même. Parce que là, j'arrive clairement à la ligue. Oh putain. Mais les. Puis j'ai. Ah non! Non! Je veux pas les combattre. Mm-hmm. Alors, on va attaquer lui. Et on va mettre North Face. Et on va en être bientôt débarrassé de tous ces Pokémon. Prochain tour, normalement. Je pense que ça c'est le Mekao, c'est sûr. Et Psycho, je pense que c'est Mekao aussi. À mon avis. Trop cruel. Ah non, même pas du tout. J'étais pas du tout. Après, il a une meilleure défense spéciale que ce que j'imagine, je suppose. Ok. Je laisse Nike devant, hein, parce que c'est plus pratique. Si jamais, en plus, je tombe sur
des Pokémon sauvages, c'est un peu plus pratique. Bon. Est-ce que je vais réussir à me placer, tiens, ici? Ça se trouve, c'était cette zone. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Celle-ci, peut-être. Peut-être, non. Underwater, oui, mais... Ben non, du coup... Et par là-bas... Je suis perdu, mais d'une force. Et là, là par ici, qu'est-ce qui se trame par là? Ok. Et... Pas d'entrée de ville, on est d'accord. je pense que je vais aller regarder où c'est. Faut que j'aille voir la carte. Faut que j'aille voir la carte parce que je suis vraiment totalement perdu. Je pensais que je me rappelais. Enfin, pour moi, j'ai jamais galéré en plus à trouver l'entrée d'Atalanopolis. Alors que j'ai joué quand j'étais plus jeune. Je me dis que je suis moins. J'allais encore plus vite que ça, quoi. Bah non, j'ai pas de console. Enfin, j'ai pas d'émulateur donc je pouvais pas vraiment accélérer comme ça. Mais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je fais. C'est ça que je voulais voir. Route 126. Route 126, d'accord. Il n'était pas la route 126. Il n'était pas. Quelque chose que je n'ai pas. Je n'ai pas bien saisi. Non, ça va mettre un en plus. Il me semblait que j'avais été. Et voilà, il faut que je reparte sur la gauche. Je suis désolé, hein, on passe beaucoup de temps sur la recherche de cette route. Alors, peut-être pour vous, c'est très évident. Mais pour moi aussi, ça l'était, a priori. Ok, on va partir direct sur la gauche du coup. Bon, un nouveau coupure, hein, excusez-moi. Du coup, on était route 126. Ah bah oui, avec le bleu. Ce gros truc blanc, mais oui, moi aussi. On avait le Pokénav, on avait la carte. C'est... Ouais, voilà. Elle est là, l'excuse. Je l'ai trouvée. Alors, on a juste à aller ici. Voilà. Et on est arrivé à Atalanopolis, enfin. Décidément. Et du coup, c'est un peu le bazar ici. Est-ce qu'on peut aller au centre Pokémon sans que personne ne nous agresse? Oula, on a un gentil Groudon là. Il est en liberté, donc c'est un peu craignos. Bonjour. Beaucoup de personnes de la ville ont pris refuge et ne sortiront plus. Enfin, se sont refugiés et ne sortiront plus de leur maison. Même si. Enfin, même moi, je ne voudrais pas m'aventurer dehors. Ok. Est-ce que les Pokémon sont nos amis? Alors pourquoi est-ce qu'ils deviennent sauvages à ce point? Ok. Salut. Nous allons tous mourir comme ça? Détruit par des monstres terribles, ça craint. Ok, il y a beaucoup de monde. Quoi? Mais comment ça peut arriver? J'ai jamais parlé aux gens des maisons d'Atalanopolis, mais elles sont vraiment jolies. Enfin, elles sont assez différentes des autres. Et puis même l'intérieur est sympa. Bon, j'arrête d'entrer et sortir. Écoute, et je vais te dire quelque chose de bien. Normalement, il y a une ancienne ruine dans la mer, pas loin d'ici. Ça pourrait être juste des trésors qui attendent d'être découverts. Des trésors anciens, ça serait cool s'ils existaient, et même s'ils n'existaient pas, ce serait beau de passer un peu de temps dans les fonds marins avec les Pokémon. Bon, on va quand même vite aller parler à ces messieurs-dames, qui m'ont l'air d'être tous décédés. Hein. Ouais. Killed, ok. Donc on peut pas atteindre le Groudon pour l'instant. On peut pas l'atteindre. On va aller de l'autre côté, je suppose qu'il y a le Kyogre dans l'eau quelque part. Lorsque j'étais jeune, j'ai voyagé dans le monde en tant que dresseur Pokémon. Maintenant, je suis devenu un vieux buzzard. Mon seul amusement est de regarder les jeunes dresseurs combattre. Ok. Très bien. Je note. On t'a pas parlé. Quand deux Pokémon aussi gigantesques combattent aussi sauvagement, il n'y a rien que nous puissions faire. D'accord. Bon, je crois qu'on a parlé à tout le monde de ce côté. Là, est-ce qu'on pouvait aller encore plus en haut, là où il y avait l'arène, normalement, sur cette zone? Ils ont enlevé l'arène. Oh, le Kyogre. Ah, un vivant. Officier, c'est horrible. Groudon et Kyogre tuent des gens. J'ai vu Wally aller dans la cave origine. Pour Chasseleur. Ok, ah, il faut passer par ici. Bonjour Kyogre, comment vas-tu? Est-ce que c'est la forme de ton côté? Alors, on va rapidement parler à ces gens. Tu as le devoir de tous nous protéger, officier. Ils vont enfin reconnaître mon métier magnifique. Est-ce que tu es prêt à mourir pour la justice? Tu ferais mieux de l'être. Ok, mais toi, tu fais quoi, toi? Cette cave qui relie Atalanopolis et le monde extérieur, on dirait que cette cave a été faite
empêcher quelque chose de sortir. Ou est-ce que j'imagine les choses? Un volcan sous-marin est entré en éruption et a forcé... force itself... Bon, j'ai pas compris. Son cratère a émergé de la mer et s'est rempli d'eau de pluie. C'est comme ça que Atalanopolis est né. Ok. Super, merci pour le cours d'histoire. Il y a tellement de maisons, par contre, je réalise. Salut. Ah, il donne casse-briques, lui. Pendant 30 ans, je suis resté à Talanopolis pour améliorer mon talent. J'ai développé une CT. Ok, casse-briques, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Là, par là-bas, c'est à cave d'origine. Enfin, cave origine. On va rapidement parler au reste. Tu es un officier de police, n'est-ce pas? J'aime les officiers de police. Est-ce que tu veux coucher avec moi? Non. Tu es laid, de toute façon. Je déteste les gens, les blais. Et si on lui dit oui, elle nous dit quoi? Ah, je plaisantais. T'es bizarre. Devonco produit... Enfin, les produits de la Devonco sont incroyables. J'aime dépenser de l'argent pour les objets de la Devonco. D'accord. D'accord, d'accord. Et vous, on dirait qu'il y a une connexion entre Atalanopolis et Montpire. C'est quoi? C'est Mont Ardent? Enfin, je sais pas. Mes amis et moi avons fait des recherches sur ça au laboratoire où je travaillais avant. D'accord. Mon grand frère a auparavant étudié à la mer. Ok, je crois qu'on a parlé à tout le monde. On va pouvoir aller vers la cave origine. Hé, hey, tu as fait tout le chemin jusqu'à Talanopolis. Tu n'es pas un touriste ordinaire. Mais je suppose que ça ne fait pas de toi un touriste extraordinaire non plus. Ah oui, ouais. Ouais, je crois que j'ai compris. Bon, là je pense qu'on va avoir un sale combat contre Wally. On s'est bien tout soigné. Je vais utiliser tous mes... Non, j'utiliserai mes super bonbons après. Si jamais on perd une première fois, je verrai qui il faudrait augmenter en priorité. Donc je garde mes super bonbons pour ça. Bonjour Wally, comment vas-tu? Ah, mais c'est le célèbre officier saumon. Même un grand homme, enfin chaque grand homme a un grand rival. Tu es ce rival. Ah d'accord, je croyais que j'étais le grand homme. Sois témoin de ma puissance absolue et meurs. Ok. Ok, ok, tranquillement. Altaï, pour commencer, on va te faire que j'éclaire. Périsse Sang. Ok. On va changer. Du coup. On va changer, on va garder. Pour l'instant. Voilà, je fais un petit peu mal, il est blessé. Voilà. Oh, séisme. Je l'ai pas vu venir. Je ne l'avais pas vu venir du tout. On met top life. Allez, faut pas qu'il me sorte une attaque vol. Oh quoi? Quoi? Il a triché. Ah mince. Mince. Mince, par contre, ouais, je peux l'attaquer, mais avec les dégâts que je fais, s'il te plaît. Ok. Mais attends, mais il réfléchit, le dresseur. Il réfléchit, il fait des stratégies, c'est quoi ça? Oh, fatal foudre. Lance flamme. Ok, on a mis un cap. Facile. Super facile. Altaria. On va remettre Nike. Et il est plus paralysé. D'accord. On va le reparalyser, du coup. Hein? Déjà. Et... je vais mettre Keshua. Et je vais faire quelques lance flamme. On va essayer de compter sur la chance. Très bien, merci. Encore un peu de chance. Parfait. On va attaquer. Ça, c'est déjà, c'est fini. À la Kazam, on va garder Keshua. Ah, il est plus rapide, genre du faire vive attaque. Je pensais être plus rapide que la Kazam. J'ai peut-être un... Effectivement, t'es un peu prétentieux. Double Age. Quoi, c'est tout? Quoi? Surf. Ah. Ah ah. Il joue bien, hein. Très intéressant. Finitude. Counter, tu m'as pris pour qui? Counter encore. Et Shadow Ball. Oh non! Mais non! Ah! C'est triste. C'est terrible. On va partir sur du centre Pokémon. Hein. C'est pour ça que je ne sais pas trop soigner. Voilà, on s'envole. Est-ce que Top Life va réussir à faire quelque chose? Oh non, pas du tout. Bon. On a perdu totalement, c'était une belle défaite. Je pense qu'il y a moyen de faire bien mieux. On n'est pas les meilleurs. Hein. On n'a pas les meilleurs Pokémon. Donc il faut compter sur notre enchaînement de Pokémon. Donc on va rejoindre le bon petit Wally là qui nous attend au frais dans sa grotte. On a Altaria en premier. Moi Altaria, je trouve bien de laisser Nike devant. On va utiliser nos super bonbons. Alors ceux pour moi sur lesquels il faut miser. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Keshua. Tente, on laisse tomber. Et un petit pour North Face. Et un autre pour Keshua. Voilà. C'est tout. Rien de sans générique 3.
vu que j'en ai utilisé tout à l'heure. Allez, on prend notre revanche et ça va le faire facile. Puis contre l'autre, du coup, j'aurais pu me mettre dans Slam à fond finalement. Voilà, Perish Sang. D'accord. On a vu que le coup d'avant, il avait changé pour mettre Magneton. Donc, on va attaquer. Hein, ça fera toujours. Ah, j'avais oublié qu'il avait séisme. On va attaquer une fois. Mais non, il peut refaire séisme. Oh, quel imbécile. On va mettre Adidas. Et on va faire un Slam. Il a remis Magneton. Et Magneton. Oh, mais pas KO. C'est dommage. Voilà, on est plus rapide, je crois, de toute façon, donc on peut faire... Voilà, mon Magneton, c'est pas vraiment celui qui nous pose souci. On va... Que je suis là, hein. Il va se soigner... Ah non, je pensais qu'il allait se soigner. Perish Sang. Allez, attaque. Voilà, Alakazam. Alakazam, on va mettre Top Life. Et on va essayer d'empoisonner... Psychorésiste? Oui, et on a empoisonné le Alakazam. Ok, je suis 5. Ouais, il m'a synchro, c'est pas très très grave. On va rappeler. Ouais, Max rappelle Nike. C'est mieux que Top Life. Enfin, j'aime bien Top Life, mais il a pas. pas fait des preuves. Pas montré sous ses meilleurs jours. On va mettre Wilson. Mettre Wilson. Et on va faire plonger. Comme ça, et puis s'il veut faire contre, et ils vont plus, s'il a voulu attaquer en premier. Voilà, du coup, il y a plusieurs tours qui sont passés. On va refaire plonger. Ah, on résiste, très bien. Et du coup, il est KO. Ok, on s'est débarrassé du Alakazam. Absol. Absol, Absol, on va mettre Nike. Et on va l'endormir. Quand je sais pas trop quoi faire avec un Pokémon, on endort. Ok. Spark. Ok, pas mal avec le coup critique. On résiste, et là, on le met KO. Ok, il lui en reste plus que deux, dont un garde-voir. Fais voir. J'ai 85 de vitesse. Je pense qu'on est plus rapide. Après, il est niveau 45. Oui, oh, ok, il est paralysé. C'est pas grave, synchro. C'est pas trop un souci. On va... Ah, on attaque quand même en premier, mais il est paralysé, forcément. On va mettre Adidas. Ok. Et on va partir sur du morsure, comme ça il est peut-être paralysé ou apeuré. Et on avance petit à petit comme ça. Ok, Béoran. Elle est paralysée, très bien. Une hyper potion, on continue. Ah mince! Ah! Oui, c'est bon. On va se soigner un petit coup. Parce qu'on est pas mal avec notre Adidas là. Ok, continue avec les plénitudes. Oh bien! Toxique. D'accord, pourquoi pas. Et on le met KO. 2005. Et c'est fini? Ok, je pensais qu'il en restait un. Ah, tu penses avoir gagné? Personne n'est assez fort pour me rivaliser. Et pour avoir, pour posséder l'extraordinaire puissance que j'ai. Mais, comme la meilleure des expériences, j'en ai encore plus. Ok, en gros, il nous réserve des choses. Tu n'es toujours pas à la hauteur pour moi. Tu vois ce qui arrive dehors? Cette tempête horrible, Groundon et Kyogre qui répandent la mort, la peur et la douleur. Tout ça est sous mon contrôle. Et viens avec moi pour que je puisse te montrer l'étendue de mon pouvoir. Tu vois ma puissance? Et j'ai amené cette ville à mes genoux, à mes pieds. Vérifie tout ça. Groudon, Kyogre, Rayquaza. Venez. Ah, mais même Rayquaza. Ouais. Groudon, Kyogre et même Rayquaza, tous sous mon contrôle. Aie peur de moi, agenouille-toi, moi le grand Wally, je suis supérieur à vous tous les humains. C'est bon, laisse-moi te montrer autre chose. J'ai maintenant contenu la puissance de ces Pokémon légendaires dans une Pokéball. Je suis invincible, je vais tuer chaque homme sur cette planète et je repeuplerai la Terre en utilisant mon sperme supérieur sur toutes les femmes. Yes, je vais créer un nouveau genre de... Okay. Je suis autorisé à soigner maintenant, viens, affronte la main. Ok, est-ce que j'ai été soigné? Ok, c'est pas l'idéal de le mettre devant lui. Mais bon, il va me sortir un séisme, c'est sûr, de toute façon. Et bien, on va mettre Top Life. Sinon, un séisme. Bien. Et on va. On va le. Oh non, dommage. Ah, dommage. Ça, c'est triste. Le Toxic qui rate, c'est un peu triste. Ah, séisme va faire mal. Ah, bon, être. Ça va être l'enfer. Ce combat, je sens. Est-ce qu'on peut faire un petit dance slam? Ok, bulk up.
pour attaquer maintenant quand même, de toute façon. Ok, ouais, KO forcément. Adidas. Ok, on peut tenter de l'ensemble. Ok, on a mis Groudon KO. C'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Alors, Kyogre en plus qui met la pluie. D'accord. On va le paralyser pour commencer. Ok, Ratidro Canon, ça c'est pas mal. Et puis on attaque. On va compter sur une grosse grosse part de chance. Aïe aïe aïe, ça c'est nommé KO. Allez. Toi. Tu vas faire plénitude. Un coup de plénitude. Ok, rate. Et Psycho, est-ce que ce sera suffisant? Non, c'est pas suffisant. Ouh, on a résisté. Et Max Potion. Ok. Et Psycho, ça le met KO normalement. D'accord. Rayquaza. Ouais, il va attaquer en premier. Ok, il s'envole. Il s'envole. Ça vaut le coup de mettre une hyper potion? Ouais. Bon, il me fait morsure derrière. Ok, il y a quelque chose à faire. Si on n'avait pas perdu trop vite notre Tropius, il aurait pu un peu quand même embêter. Ok, danse Draco. On va pas faire grand chose. Ouais. Vas-y. Attaque-nous. Ok, on résiste un petit peu. Ok. Je veux faire. En fait, je sais pas pourquoi je vais pas attendre éternellement qu'il rate vol. Non, je dois pas tout recommencer par contre. Rassurez-moi. Non, il faut faire tout à la suite. Oh non. Oh non, ça c'est pas cool. Ça c'est vraiment... Et j'ai perdu tout ça comme argent. J'étais à 100 000 Poké-Dollars tout à l'heure. Je suis à 28 000. C'est incroyable. J'ai même pas vu l'argent que je me suis fait voler, mais... Ah, il nous faut des rappels. Non, je peux pas faire que des rappels. Ah, mais j'en ai 20... Oh non. 8 rappels. Et des hyper potions. Non, c'est non, pas des max potions. Et 13 hyper potions. Bon, on sait qu'il nous soigne. Oh, c'est nul ça. Par contre, devoir tout refaire. Un peu la flemme. Hein. Enfin, je vais pas vous mentir. Je pense qu'on sauvegardera si on réussit à le rebattre. On sauvegardera après le combat. Et on fera que le combat à Kyogre et tout. Bon, bah, on va laisser de toute façon Altaria. Hein. Bon, on va laisser, on va laisser Nike. Et on fera une petite sauvegarde rapide. Voilà, le classique. On lance les trucs. On met top life parce qu'il va me faire séisme. Très bien. Stomp. Voilà, il nous a fait un petit aéropiqué quand même. On met Adidas. Il va changer également. Il va mettre Absol cette fois. Intéressant. Bon, coup critique, tant mieux. Altaria. On va remettre Nike. Qui, parce qu'il a dû se soigner au niveau du statut. Thunder Wave. Ok, on attaque. Hein, on fait tranquillement les choses. On continue d'attaquer. Ok, c'est. Ah, oh, dommage le coup critique. On va mettre Adidas. Morsure. Peu importe. Ah, non, j'ai oublié de changer. J'ai oublié de changer. Non, on va perdre Adidas. Bon, bah, je fais l'ancien. Tant pis, on met quand même KO le magnéton. Et oh, toujours, on a le temps. On a totalement changé. Étonnant tout ça. Allez, Keshua, dans Slam. Il nous fait séisme. On résiste bien. On va faire un deuxième dans Slam. On refait séisme. Ok, on va utiliser juste une petite limonade. Tranquillement. Voilà, et on attaque avec force. Il est KO. Alakazam, toi, vive attaque. Il est KO, très bien. Ça nous permet de nous entraîner un petit peu au passage, écoutez. Et force. Ok, bon, on a moins galéré cette fois-ci. Ah, tu penses que tu as gagné, il va nous faire son blablabla. Attends, je ferai une petite sauvegarde rapide quand on sera dehors devant lui. Voilà, ici. Donc là, il nous refait son dialogue. Oh, je suis pas sûr qu'on va réussir à le battre là tout de suite. On va voir. Groudon pour commencer. Alors l'idéal, hein, l'idéal, c'est de pouvoir placer le toxique. Donc là il va faire séisme. Ok. Et on place le toxique. Ça marche. Fire Blast. Hein, ça y a pas d'illusion. On va pas mettre Adidas tout de suite. On va mettre.
En fait, le problème, c'est Rayquaza. Je sais pas contre qui le mettre. Faudrait Nike, c'est mon seul espoir de le paralyser au moins. Je vais pas le mettre. De toute façon, contre Groudon, je vais pas le mettre. Adidas, avec Lancelame, il peut faire beaucoup de dégâts, donc j'ai pas envie de le mettre tout de suite. On va mettre Wilson ou Quechua. Les trois. Là, lui, c'est une North Face, il nous a permis de battre Kyogre tout à l'heure. Donc là, je vais mettre Wilson ou Quechua. Wilson, il y a plus de chances de survivre un petit peu au moins. Normalement. Normalement, je dis bien. Allez, un petit plongée. Ouais, on résiste. Comme ça, il se fait quelques dégâts avec le poison. Ok. Et vous savez quoi? Je n'ai pas de soucis à le faire. Ah, j'ai plus de limonade. Ah, est-ce que je... Il me manque 4, il me manque 100 quand même. Ah, entente une hyper potion. Entente une hyper potion, séisme. Ok. Ok. Et soit il nous attaque, soit il se soigne, il fait une max potion. Ok, là il commence à perdre pas mal. Il nous attaque, on résiste, on fait plonger. Il perd de la vie. Et là, il est KO. Bien joué. Bien joué, Kyogre. Donc là, on a pu battre avec Wilson, donc c'est pas mal, on s'en sort bien. On va se regarder là. Thunderwave. Voilà. Hydro Pump. Dommage. C'est un peu dommage. Pas se mentir. C'est vraiment dommage. North Face. Calm Mind. Il résiste, hein, Calm Mind. L'idéal, ce serait... Ah, Plaquage. C'est pas l'idéal. C'est pas ça que je pensais. On va refaire Plénitude. Ok, c'est tendu. 4 PV. Ah, Body Slam. Casse les pieds. On va refaire un Plénitude. Ok, on résiste. Ah, là, je les utilise tous sur North Face. Je suis pas sûr que c'est... J'ai pas un bol extraordinaire. Puis il réussit vraiment toutes ces temps-là. Là, on peut utiliser un Soda Cool. Hein. Voilà. Voilà, soit paralyser un coup. Calm Mind. Ok, tu fais Calm Mind aussi. Ça me dérange pas tant. Ok. Ça peut peur. Ok, c'est le dernier. Il faut pas que je fasse un tour pour rien. Il fait Plénitude aussi. Alors, il a adopté ma stratégie. Là, j'ai quand même 3 de plus que lui. Donc, je vais lui faire quand même des dégâts. Pas tant. Pas tant. Allez, on attaque. Body Slam. Ok, on fonce. Ok, Zerglas. Coup critique. Bon sang. Ça frustre. Ça frustre vraiment. Bon, vive attaque. C'est vraiment dommage. Bon, j'ai... On va mettre Wilson. Et on va... Herbe rappel contre Nike pour espérer le paralyser. Dragon Claw, d'accord. On va espérer paralyser Rayquaza avec Nike. Et on attaque en premier. Déjà, ça c'est une très bonne chose. Draco Dance, bon, c'est un peu chiant. On va essayer de lui baisser la défense. Ça pourra servir pour les autres, peut-être. Voilà. Draco Dance au max, super. C'est vraiment l'idéal. Ok, bon, ça fait pas un max de dégâts, mais... Ok, il s'envole. Faudrait qu'il soit paralysé, ce serait vraiment le top. Ah, j'aurais dû faire Hall. Bon, dans l'hypothèse, on va attaquer. Force. Oui. Bien joué. En vrai, mes sauvegardes m'ont pas servi. J'ai fait les sauvegardes, mais j'ai pas eu à les utiliser, donc je suis content. Quoi, impossible? Bah si. Comment j'ai pu perdre? Comment? Saumon et Wally se sont tous les deux évanouis de fatigue. Quelques heures sont passées. Yo Saumon, réveille-toi. Ne meurs pas, homie. Phew, je pensais que tu allais mourir à côté de moi. Ça aurait été une lourde perte. Pas seulement pour la police, mais pour tout Owen. Tu es un héros. Ne t'inquiète plus à propos de Wally, on a finalement capturé ce psychopathe. Mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a encore un autre gros problème. Mais tu vas vite le découvrir, bien assez tôt. Ok. Bon, les cadavres, ils ont été emmenés. C'est tellement une ville tellement calme et paisible. Ok. Je pense que le problème se situe à la ligue. Oh, une neige. Quoi? Pourquoi une neige? Ça m'a surpris. On va cesser ici pour cet épisode. Je pense que la suite se situe à la ligue. C'est là où est notre destination. Mais non, mais... On n'a pas cascade. Ça me perturbe de terminer cet épisode sans cascade.
Normalement, on avait cascade dans la grotte origine, dans la cave origine, pardon. On va aller voir rapidement si on l'aurait pas les. Si on l'aurait pas. Si on n'avait pas les. Si on l'aurait pas? Bref. C'est la cave origine. Cette cave est très importante. Blabla. Je suis pas. Oh! Ok, il m'a insulté. Le type m'a insulté. Je vais pas traduire l'insulte. Hein. Si vous la connaissez, tant mieux pour vous. Ou si vous la connaissez pas, tant mieux pour vous également. Moi, ce que je veux surtout, c'est. Rapidement, hein. Bon, de toute façon, on est déjà à 40 minutes. Hein. On n'est pas plus à 2 minutes près. Juste rapidement voir si quand on commence à aller en direction de la ligue, est-ce que on va rencontrer quelqu'un qui nous donne cascade? Parce que sinon je vois pas où on l'obtient. Je suis quasi sûr que c'est dans la cave origine normalement. J'espère qu'il fallait pas le récupérer parce que sinon, comme on n'a plus accès, c'est-à-dire qu'on est bloqué, ce qui serait un peu triste quand même. Attendez. Je les évite. Et là. Bah ouais, mais j'ai pas cascade. Est-ce qu'il faut voler à Pacifiville? Et voir là-bas, tiens, lui. Il peut nous donner cascade. Cette femme, à l'intérieur de cette maison, a besoin de ton aide. Et après que tu aies fini de l'aider, reviens me voir. J'ai quelque chose de très important à te dire. Bonjour. Officier, s'il te plaît, aide-moi. Ma fille a disparu. Elle a disparu pendant que je faisais des courses. Elle ne quitte jamais la maison. Je pense qu'elle a été kidnappée. La vie, c'est comme des montagnes russes avec des hauts et des bas. C'est crucial de rester calme et composé. C'est d'après ça que je dis. Bon, on va voir l'épisode prochain ce qui se passe. Je pense qu'avec cette mission, on récupérera la CS Cascade. Elle est peut-être au pilier céleste. Je pense qu'on se dirigera vers le pilier céleste. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette 12e partie de Pokémon Cops. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.